Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé le travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation des différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans.